Bon, alors. Ça a l'air de fonctionner. Ça a l'air de fonctionner. Je suis désolé du retard. Je suis vraiment désolé pour ce retard. J'ai eu un petit contretemps, enfin plusieurs petits contretemps, qui fait que je n'ai pas pu être là pour 9h. Donc je suis là à 10h, hein, moins tard que jamais. Bonsoir à tous d'abord. J'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne soirée. Nous voilà de retour pour retour vers le rétro. Alors ce soir je vais vous tester 4 jeux plus ou moins bien. Je sais pas si vous allez connaître. Il y en a certains que vous allez connaître, d'autres moins, ça dépend. Certains c'est des licences qu'on voit encore aujourd'hui. Le premier jeu que je vais tester ce soir. Enfin, je vais tester. C'est celui-là, c'est Wrecking Crew, un jeu. Alors, il parle de action course. Ouais, c'est un jeu de course, quoi, mais pas très bien réussi, honnêtement. J'ai pas. Déjà, c'est particulier. C'est en particulier. Enfin, moi, j'ai pas vraiment accroché sur ce jeu-là. Donc, il a été développé par Quick Draw Development et publié par Telstar Electronic Studio. Je ne connais pas du tout ces studios. Salut chaton, comment ça va? Bonsoir, comment tu vas? Donc, et il est sorti le 7 octobre 1998. Est-ce qu'on peut jouer à plusieurs? On peut jouer à deux joueurs. Bon, bah, ça c'est cool. Et il est compatible avec le Namco NECGone. Bien, nickel. Ça va, t'as passé une bonne. Enfin, la semaine a bien commencé pour toi, chaton. Donc voilà pour le premier jeu, Wrecking Crew. Ensuite, en deuxième jeu, donc là, je savais pas du tout, hein. Delta Force Urban Warfare. Donc c'est un FPS. Développé par Rebellion et publié par Novagic, sorti le 14 juin 2002, et ça ressemble à c'est un petit semblant de Call of Duty compagnie, quoi. Bon, bah forcément il a vieilli, mais je trouve pas si. Ouais, t'as bien passé une bonne semaine, c'est nickel, génial, tant mieux, super. Donc t'es la forme pour attaquer cette soirée de frissons, 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 quoi. Donc voilà, Delta Force Urban Warfare. Moi j'ai pas trop. Enfin voilà, je pensais m'attendre à un navet, et au final, pas si mal que ça, mais peut-être relativement dur. Enfin bon, je l'ai mis en deuxième position quand même. Je vais faire ça vite fait, parce que du coup, comme j'arrive en retard, j'ai pas eu de problème de son ni quoi que ce soit, hein, au final, pour une fois que c'est pas un problème de son. Mais voilà, j'ai mon voisin qui m'a appelé. Voilà. Mon voisin a appelé, il aime bien parler. Et s'éterniser un peu au téléphone, on n'a pas envie de leur passer. Troisième jeu, ça vous reconnaissez pour les trentenaires, hein, vous reconnaissez bien, forcément. Il s'agit de Cool Borders 2, un jeu de snow, alors développé par Web System, publié par Sony. Il est sorti le 15 janvier 1998, et je crois qu'on peut jouer à deux joueurs. Non, un seul. On peut jouer qu'à un seul joueur, dis donc, avec ce jeu-là. Il n'y a qu'un seul joueur. J'ai regardé l'autre, la Delta Force machin et compagnie. On sait pas, j'ai pas noté. Y a pas noté. Je pense que c'est pareil, c'est du solo. C'est une licence qui était très très connue, la licence des Cool Borders. C'était le grand frère de SSX. Hein. Jeu Cool Borders 2, j'ai pas joué, par contre le 3, j'ai beaucoup joué. Bah le 3, c'était autre chose, ouais. Le 2, j'ai joué beaucoup, moi je crois que c'était la démo. Mais là, tu verras que ça a mal vieilli. Enfin, c'est un jeu qui a mal vieilli. Par rapport à SSX, lui, est beaucoup plus nerveux, mais en même temps plus fluide au niveau du gameplay. Cool Borders, c'est très 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 rigide. Ça reste sympa, mais bon, voilà quoi. Mais ça reste un bon jeu quand même. Et le quatrième jeu, bon bah voilà, j'ai mis ça. On en a vu, on a bouffé, je suis désolé, on a bouffé du Formula One. Ça, c'est Formula One 98. Pourquoi je l'ai mis en dernier? Parce que je pense que c'est peut-être celui qui va être le plus rigolo à jouer. Pour ça que je l'ai mis en dernier. Donc, sorti. Donc, un jeu de course simulation
développé par Visual Science et publié par Psygnosis. Donc comme Psygnosis c'était un très bon studio de développement, d'éditeur de publication, studio de publication, si on veut, quoi. Dans la période de la PlayStation, j'ai à côté, c'est une sécurité pour moi de mettre un jeu comme ça à la fin des tests. Il est sorti le 15 octobre 1998 et on peut jouer à deux. Voilà, on peut jouer à deux. Ça, c'est pour les 4 jeux que je vais tester. Et je verrai, mais peut-être que je vais jouer qu'une petite demi-heure. Ça dépend de comment je vais. Parce que là, du coup, il est déjà 10h, faut que je me lève demain. Je suis attendu demain matin, donc faut que je me lève demain. Mais on va au moins faire une petite demi-heure de ça, hein, Final Fantasy VIII, comme on fait habituellement toutes les semaines. Voilà. Bon, sinon, j'espère que tu t'es bien remis, chaton, ce week-end, ce que j'ai fait comme live, avec le déguisement Super Sangoku, génial, quoi. C'était rigolo. Je vais me passer en mode games. Et attention les frissons. Wesh. Ouais. Là, il y aura plus de déguisement hein, pour le week-end prochain. Je vous dis tout de suite, il n'y aura pas de déguisement. J'ai fait peur à certains d'entre vous. Pourtant, ils étaient classe. Hein. Il y en a qui ont kiffé quand même. Hein. Il y en a qui ont kiffé mes déguisements. Allez, on est parti sur... Ouais, Wrecking Crew. Attention, ouvrez bien les oreilles. Frissant. Ah. C'est mon téléphone qui est là-bas, évidemment. Je sais pas si je vais pouvoir aller là-dessus. Voilà, attends. Je vais ce que je vais faire. Hop! Frisson, yes! Attendez, j'ai reçu un message, il faut que je réponde, c'est important. Ah, évidemment, j'ai le touchpad. Alors. Mince. Tac, alors. Français, hein, bien sûr, on reste en France. Toc. Attention, moi ce que j'aime bien, c'est quand il dit Cool Border! Non, il dit Web System. Il va dire Web System. Après, il va dire Cool Border. Allez voir. Ah, bah non, c'est pas Cool Border, c'est vrai, c'est Wrecking Crew pour l'instant. Je suis con. Je me mets déjà Cool Border dans la tête. Alors, on parlait de Cool Border à un moment donné, puis voilà. Non, c'est pas Cool Border pour l'instant. C'est vrai. Bon, alors, on va mettre. On va voir s'il y a de la difficulté. Difficulté, ouais, c'est bien. On va mettre en facile. Voilà, facile. Tour, on en met moins. Arme. Alors, celui-là, c'est vraiment. On va faire une course arcade. Alors là, il y a Ma, Circus. Circus. Quel beau jeu de mots. Doc Nitrous. KL Ravitz. IQ, il y a Lady Bird, Kane and Abel et Kid Cranium. Oh punaise, ça c'est des noms de ouf quand même. Hein. Avec donc là on a Speed, Way, oh, vache. Oh, vache. Oh. Je vais prendre lui, il a l'air bien lui. Hein. Ça a l'air d'être un bon loser lui. Alors. On fait quoi? Ouais, encore des gros pseudos. Ouais, des. Ouais, bah tu vois, le pseudo. Donc on a. On sait pas où est-ce que c'est la ville. Si. Méditerranéenne, je connais pas. Sydney. Theme Park. New York. On fait quoi? On va aller à New York, tiens. Allez, appuie là! Oups! 2, 1, go!
Oh là là là. Quel magnifique jeu. Je suis en facile. Je suis en facile quand même. J'arrive à traverser les poteaux. Oh la vache. Mais vas-y, mais... Est-ce qu'il y a d'autres vues? Ah, il y a d'autres vues. Je pense que ça vaut mieux. J'ai l'impression de glisser là. C'est quoi ça? Regardez cette vue. Qu'est-ce que j'ai fait là? C'est pas terrible. Hein. C'est vraiment pas terrible comme jeu. Hein. Encore la jaquette, elle donne envie d'y jouer. Encore le jeu en lui-même, c'est pas terrible. Il n'y a pas d'adhérence. Mais pourquoi il met en vue interne là quand je suis dans le truc? Marche arrière? Attends, on va tester la marche arrière. Ouais, il y a une marche arrière. Je valide. Il y a une marche arrière, chaton, je valide. Il n'est pas aussi pourri que Taxi 2. Tu vas y échapper à celui-là. Ah non, non, mais la prochaine fois, chaton, on fera une bouffe. On va se manger des navets, hein. J'en ai pas mal, hein, des jeux de PS maintenant. Quand t'auras la forme et tout, je te dis, hein, quand t'auras la patate pour jouer à ça, je te promets qu'on va s'éclater. Ah non, on avait dit qu'on ferait du South Park, on regarderait South Park, c'est vrai. Ah mais celui-là c'est une... Non, c'est pas une merde, je vais pas dire que c'est une merde. Meilleur que Taxi 2. Ouais, quand même, mais tu vois, je suis 6ème en facile, quoi. Puis non, tu te payes plein de trucs, quoi. Comment il fait le... Même en facile, l'IA est imbattable, quoi. Et là, je sais pas, là, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il met en vue interne, là, intérieur, là, dès qu'on va sur le truc? Attendez, parce que là, moi, je commence à avoir les yeux qui... Si... Dites-le, hein, ça fait mal aux yeux, hein. Ouais, j'ai fait 3 tours. Ouais, bah, je... Ouais, faut que je l'échoppe. Faut que je l'échoppe. Faut que je regarde chez mes parents. Je vais aller chez mes parents cette semaine. Demain, je vais chez mes parents. Je vais essayer d'aller à la pêche au South Park. Il me semble que j'avais des DivX. Parce que j'ai pas. Parce que si j'avais un coffret VHS, mais si je mets ça dans le lecteur Blu-ray, ça risque de poser problème. Est-ce qu'on réessaye une course? Alors on va refaire une course. Course arcade, tant pis, on pourrait IQ, tiens, IQ. Mais ça qui est bizarre, c'est que, en gros, je peux faire que l'entraînement. Tiens, on va aller à Theme Park. Non, on peut pas descendre, je peux faire que l'entraînement, quoi. À quoi ça sert d'avoir les menus, la tour, nuit, machin, miroir, tout? Ça sert à quoi, ça? Ça sert à rien. C'est fait pour décorer. Une dernière, ouais. Après, on passe. Next. Non, il est vraiment pas terrible. Hein. Je pensais que il était chez... Je crois qu'il était en PlayStation Magazine. Il faudrait que je regarde le test. Est-ce qu'il était bien noté ou pas? 3, 2, 1, go! Oh, regardez! Thank you.
Ouais. Mais qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas ce jeu. Sérieux. Mais... Moi ça fait mal aux yeux, hein. Sérieux. Jamais jeu de course, mais là honnêtement, celui-là c'est pas... Il y a vraiment pas envie de faire. Ah, ça fait trop mal aux yeux. Ça me fait loucher. Soit c'est la vieillesse, soit c'est le jeu qui m'a fait. Mais... Oh, l'IA est déplorable. Oh, puis les coups. Allez, mais non, mais c'est quoi ce délire? Ah bah, vaut mieux jouer à Mario Kart 8, hein. Allez! Vous le dites, hein, si je vous donne la gerbe. Hein. Vous avez le droit. Allez, tu peux le faire. Il s'est viandé. Qu'est-ce qu'il est con. Désolé hein, pour le terme. C'est vraiment pas jouable. Mais pourquoi il se... Pourquoi il se met par là? Je peux le faire. Je suis premier. On dirait qu'il manque des animations que la voiture. Ouais, ça. J'avoue, j'évite trop de fixer l'écran. Ouais, bah moi aussi. Et je suis premier là. J'étais premier là, non? J'étais premier. Moi, j'étais en train de loucher. Je suis premier. Ouais, je suis premier. Ouais. Bon, non, là, stop. Hein. J'arrête les frais. Je risque de perdre. Ah, c'est les opticiens quoi qui risquent. Qu'est-ce que c'est que ce bordel là? Bon, alors on va passer. On passe. C'était bien. Hein. C'est Wrecking Crew. Avec ça, vous allez avoir des belles lunettes. Hop. Après, ce sera un peu mieux. Hein. Mais ça... Un peu mieux. C'était Wrecking Crew. C'est con parce que j'ai pas les tests des jeux. Ça aurait été pas mal. Ouais, next. Là, je passe. Hein. Non, non, parce que sinon. On dit, souvent, on dit jamais 203, mais là, on dira. Bah. On dira que c'était une exception qui confirme la règle. Parce que là. Alors, Delta Force Urban Warfare. Attention. Moi, franchement, je pensais à. Ouais. Je m'attendais à pire et au final, non, il est pas si pourrave que ça comme jeu. Hop. Un bon petit FPS. Au niveau gameplay, franchement. Il va moins donner la gerbe celui-là. Je vous promets. Alors, qu'est-ce qu'on va dire là-dessus? Frisson. Ah, frisson. C'est quoi la semaine dernière? Si, bah, je les avais mis. Hein, avec les dons, j'avais activé. Il était bien mon logo quand même.
C'est dommage que ça. C'est trop fort le jeu. Alors on va faire une nouvelle partie, je regarde mon option d'abord s'il y a un mode facile. Comment? Ah ouais. Ah non, c'est normal ou dur? C'était quoi ça? Nouvelle partie. It had been 3 days since my raid went sour in Colombia. I knew whatever we'd stumbled across was pretty big. I and the other two guys who'd survived. Bon, est-ce que ça vous intéresse ou pas l'histoire? While the brass tried to find out what the hell was going on. I didn't even Je crois que begin je to peux next suspect how bad this was ouais. until I got a call Mais il est from pas mal Robert. Comme jeu. Robert Jackson was an old friend of the family. Pardon. Started out as a rookie cop with my father. 30 years later, ended up director of the CIA. Now here I was, waiting to meet him in a downtown Chicago parking garage at 2 a.m. Bon, c'est de la PS1, forcément. Robert, is that you? Robert. Nice to see you again, John. Where is Robert? Not under more fortunate circumstances. Likewise, Bob. So, what's Robert going on? Is in the city garage. Here is connected to Colombia. And I'm afraid so. Now, off the record. That was the third Delta Force team we've lost in similar circumstances in the last 2 months. And this meeting means it's not just coincidence. There's someone new on the scene. They seem to have ties into the Russian mafia. They've got terrorist groups working together who'd normally kill each other on sight. And Colombian drug cartels on their payroll? Most definitely. I need you to work solo with ex-Soviet authorities. Draw out whoever it is and shut them down permanently. Don't you already have a room full of people for this kind of thing? Can't use my regular people. They seem to have a line on our operations. Anticipate every attempt we've made. I've lost a lot of friends. Where do I sign up? In the kitchen? No, in the soutien gorge. Robert is in the soutien gorge. The Roberts. Alors, Tijuana, Mexique. Alors, c'est là où ça commence. Attention. Vous allez voir que je vais mourir rapidement. Mais il est bien le jeu. Je vais mourir rapidement, mais il est bien. Ok. Alors. Ah, il y a un temps de chargement en plus. Non, non, c'est un FPS. C'est un peu un Call of Duty, un grand frère de Call of Duty. Bon, moins bon que Medal of Honor, mais... Bon, je quitte. Un peu moins bon que Medal of Honor, mais quand même au niveau du gameplay, en fait, là, on utilise tout ça, là, par exemple. Je me déplace comme si c'était sur PS3, PS4, voilà, à la manière d'un Call of Duty. Ouais, je zoome avec L1 et je peux tirer avec R1. That bozo's gonna come up here. Ce bouffon va se pointer ici, une seconde, à l'autre, il faut que je sois prêt. Ouais! Medal of Honor, ouais, il est pas mal. Hein. Looks like a comm unit. That could be useful. I can listen to what they're up to. Par contre, quand je zoome, bizarrement, ça ralentit le. Ouf! J'en ai tué 3, je suis déjà presque mort. Bah.
Bon, bah, je crois que là, il va falloir de la vie, hein. S'il vous plaît. Y'a pas de vie? Non, y'avait pas Call of Duty, il est sorti, les premiers sont sortis sur PS2. Mais non, mais quand je zoome, vous voyez, quand je zoome, ça va soit vers le haut, soit vers le bas. En fait, le zoom, il sert à rien. J'ai plus d'armes. Le zoom fera bien la console. Grave. Je vous avais dit, hein, j'allais mourir dans pas longtemps. Hein. Je vous avais prévenu. Oh le con. Non mais normalement à Call of Duty quand on zoome, si l'objectif il est un peu à gauche ou à droite, ça a zoomé directement sur l'ennemi. Là c'est le contraire en fait. C'est qu'en gros, t'as beau zoomer, t'as beau avoir le truc sur l'ennemi, si tu le zoomes, c'est foutu. Ça redonne... Oh, je suis en normal. Il aurait fallu un mode facile. Yes. Bon, je vais le prendre. Vous voyez? Donc en fait, le zoom, il sert uniquement... à zoomer, mais voilà, faut vraiment pas bouger. J'ai plus beaucoup de missions. Looks like a comm unit. That maintenir en français pour appuyer... I can listen to what they're up to. Ouais, on sent, on le sait. Donc là, il y a encore un ennemi. Je vais pas lui faire chier parce que c'est pas là que je dois aller. Attendez. Mais sinon, il est pas mal, hein, franchement. C'était une. Ah, faut appuyer, enfoncer. J'appuie sur triangle. Ah, d'accord, ok, faut appuyer là. Ok. Quelqu'un qui va venir. Non, je sais pas où faut aller. Voilà. Bon, au moins le mur lui. Mais c'est dégueulasse. Tiens, mange. Oh, évidemment, fou. Genre, le mec il est derrière moi. Mais j'arrive pas! Ça rame de trop là! Donc en fait, ouais, c'était peut-être trop puissant par rapport à la console. Même si les graphismes c'était la PS1. Le système de jeu, le moteur du jeu est trop puissant par rapport à la console. Bon, j'ai une carte. Eh, je suis jamais allé jusque-là. Hein. C'est inédit. Hein. C'est pas sûr. Après, on va faire un petit multi-online. Hein. Match à mort par équipe. Alors, j'aime bien. On va faire un petit battle royale après sur ce jeu-là. Attendez, je recharge. Ah, c'est bon. Ouais, ouais, non, mais je pense... Il y a sûrement... En fait, le jeu est bien, mais le moteur est trop puissant pour de la PS1. Je vois ça comme ça. En plus, le mec, il recharge.
Quoi il est? Ouais, moi je décide de rechanger quand je l'ai découvert. Hein. Je compte ça. Ouais. Allez. Bon, au moins la bagnole, je l'ai escrité. Ah bah j'ai plus de munitions. Je suis comment? Ok, ça y est. C'est bon. Non! Ça fait mal, hein. On va faire trou dans toi. Faut les finir au couteau? Ouais, eh, regarde. Regardez. Quand je fais R3, ça fait ça. Donc il n'y a pas de couteau. Ouais, j'ai chopé un chargeur. Non, mais franchement, je trouve pas si nul que ça le jeu, mais voilà, il y a un petit quelque chose qui manque quand même. Ce qui est dommage. Parce qu'il n'y a pas vraiment de... Au niveau graphisme... Enfin, il n'y a pas d'incohérence, quoi. Il y a même une petite map et tout. Ah ouais, il n'y avait pas... Ah ouais, c'est ça, ils ne connaissaient pas les couteaux à ce moment-là. Ok, il faut un détonateur, ok. Fallait pas être devant la porte. Bon bah je suis bientôt mort. Mais je reviens de là en plus. Bon bah tant pis. Je sais pas, je crois que je dois collecter des... Le principe c'est que je dois collecter des sortes de cartes magnétiques. Bah alors? Bah ça vaut pas un Metal Gear. J'ai ramassé un chargeur, ok. Ok, les écrans. Et là je reviens au début, donc c'était pas par là. Crochetage en cours. Pourquoi il crochette? C'était déjà ouvert. Non, c'est par là, hein. Ah ouais, on est carrément très loin d'un Metal Gear. Mais franchement, au niveau du gameplay, il est pas mal, hein. Mais c'est juste que... bah... Ouais, le moteur, il est trop puissant par rapport à... Puis, je sais pas, il y a de l'obscurité. Comment je pouvais voir? Moi, je suis mort. Bon. Bah, on va changer de jeu. Je regarde quand même, ça fait combien de temps que j'ai commencé le live? 38 minutes. Mais ce jeu est pas mal, il mérite il mérite ce jeu, il mérite quand même d'être bah il mérite de prendre de consacrer d'y consacrer du temps, honnêtement. Je vais pas le flinguer mais voilà. Ça reste un jeu correct, je sais pas après c'est pareil, j'ai pas les notes les avis des journaux à ce moment-là, ça a pas été évalué dans le PlayStation Magazine. J'aurais bien aimé savoir ce qu'il avait comme note, mais je pense pas qu'il aurait eu il aurait peut-être eu juste la moyenne, des choses comme ça, mais après il faut voir après au niveau du scénario. Donc là prochain c'est Cool Borders 2 édition Platinum. Attention, alors là ça va dire Web System et après il va dire Cool Borders. Attention, frisson! Chaton. Ah, cette fraîcheur dans les oreilles! Je vous explique pas. Ah ouais, hein, c'est clair. C'est indémodable, ce son sera toujours indémodable. C'est... Ouais. PS1, hein, c'est The Console.
Donc là, c'est pareil, ça, c'est un jeu qui était culte à l'époque. Attention. Web Systems. Web System. Avec le livret. Ils ont jamais fait mieux les consoles. Ah ouais, mais carrément. Hein. Carrément. Hein. Je vais passer ça. Cool Borders. Vous avez vu? Ça fait pareil. Mais ouais. Donc, on va faire peut-être du freestyle. Donc, ouais. Rien que les musiques étaient sympas. On avait les musiques qui étaient vraiment très entraînantes. On pouvait jouer à deux joueurs. Voilà, la petite musique. Et ils expliquaient en plus dans les temps de chargement, ils expliquaient quel ils donnaient des tips, hein, pour faire des figurines. Donc on avait trois borders, je crois. Voilà. Jean, pratique, hein, si on n'a pas de pantalon. Cindy. Ah si, Irine. Irine, pas dans le lavabo, s'il te plaît. Je viens de le laver. Et Yagi. Qu'est-ce qu'on fait? Power, max speed. Pas trop quelqu'un qui aille vite. La balance, ça fait un peu bizarre. Par contre, hein. Technique. Power. Lui, il va trop vite, lui. Bah là, on va prendre Cindy, tiens. On peut changer en plus, hein. On peut l'habiller comme on veut. Et après, je crois qu'on peut choisir son board. Option. Ghost on. Ah, par contre, le problème, c'est qu'il était en anglais. Board. Donc là, il y a les boards qu'on peut choisir. Ça, freestyle, all ground, all around, c'est pas mal, c'est all around. On peut choisir les couleurs. C'était vraiment au niveau des personnalisations, c'était pas mal quand même. Bon, de toute façon, je vais être aussi bon avec. Je vais choisir un truc. Vous pouvez choisir, hop, les descentes. Et après start. Yes. Et toujours pareil. Allez, fonce mère. Oh la vache. Donc carré, je crois que c'est pour déraper légèrement. Je sais pas ce qu'il faut faire. Voilà. Oh, par contre, j'arrivais pas à déplacer le perso. Aïe, je me suis mangé un mur, mais mince. Wow, good. Je peux grider la machine là. Je peux le faire. Non. J'ai perdu la skieuse. Donc en fait... Non. Vous êtes mort deux fois. Mais oui, mais... Il y a un mode d'emploi sur ce jeu-là. Bouh. Aïe. Ouais, de toute façon, ils s'en mangent plein la tronche.
Mais c'est vrai qu'à l'époque, ce jeu était... C'était une tuerie, hein. Aïe. Bouh, pas bien. Et toute manière... Alors, attends. Alors, bon, on voit que je suis pas bon, hein. Oh la vache. Alors, on va essayer autre chose. On est parti pour tester. Donc là, pareil, on a bas plus L1 R1. Heureusement qu'il y a ça quand même. Je crois qu'il y a sur le livret. J'ai regardé un peu. Profitez pour voir. C'est les touches. Ghost. Est-ce qu'ils expliquent les modes de joueur? Ah vache. Ah, ils sont. Ça sent le vieux. Oh la vache! Ça sent chez... Ouais, mais elle sent chez papy et mamie. Oh la vache! Vous savez, les... Tu sais, les vieux meubles et tout, là. Oh la vache! Ah, ça sent le... C'est les vieilles caves, là. Les vieilles caves, les vieux établis, là, des... Ça sent ça, ça a été dans un garage. Oh la vache! Attends. La vache! Ça, ça a traîné dans un garage, ça. Je pense que grand-père, il était en train de donner des... Il avait son établi à côté, puis il jouait à la console. Bah, y'a rien. Ils expliquent pas. Ça sent fort tant que ça sent... Ouais, ouais, non, ça va. Non, mais ça sent vraiment, tu sais, les... Vous savez, je sais pas, y'a une odeur. Vous avez tous senti ça. Vous allez chez vos grands-parents, ils ont un garage avec un établi, des trucs comme ça. Et, tu sais, les sous-sols. Bah, ça sent la même chose. Je peux pas choisir? Bon, je teste, hein. Mais ouais, ça sent chez les grands-parents, quoi. Ça me rappelle des souvenirs. Allez, t'es prête à prendre des gamins? Vas-y, fonce! T'es bien parti, vas-y, allez. Voilà! Premier gamin! Ouais! Boum, allez, c'est pas grave. C'est que de la neige. Hop, tiens, allez, prends. C'est trop carré, j'y peux rien, moi. Ah, alright. Bah non. Bouh. Oh la vache. Ah, c'est pas mal ça. Elle a pas mis de masque. Ouais, bien ça. Ah, on pouvait grider là. Ah, je peux pas sauter là. Non mais après il est pas mal hein, comme jeu là. C'est juste que c'est moi qui est pas bon quoi, je le mets pas en valeur. Parce que franchement à l'époque il... Allez fonce. La pauvre. Je pense que là elle va aller à l'hosto. Voilà. Je crois
prends ma retraite, hein. Oh, mais marrant, c'est trop mauvais. Oh, eh, j'ai fait une figure, là. C'est dégueulasse, hein. J'ai fait un 360. Ça descend. Il y a une belle sensation de vitesse, quand même. You are a stupid gamer. Yes. Oh là là. Et remarque, c'est plus rapide de tourner comme ça. Oh. Je suis désolé, hein, mais bon. C'est quoi les coccinelles qui tournent à côté là? Je fais du flipper. Regardez. J'ai trouvé une autre façon de faire du snow. Voilà. Un trick. Voilà. Bon bah c'était pas mal, hein. Merde, je cours. Bah je vais refaire une dernière quand même, histoire de. On va essayer, je crois qu'il y a trois pistes de. Je sais pas après s'il y en a d'autres ou pas. Oh, vous voyez, faire deux fois bas et R2. Et faut être un dieu pour faire ça. Donc voilà, j'ai fait celle-là. J'ai fait celle-là. Et là, c'est la dernière. Je fais la dernière et puis après, bah, je change le jeu. On va vite envoyer. Comme ça, après, si on peut faire du FF. Du FFF. T'es prête? C'est bon, elle vient de sortir de l'hôpital. Ouf, ah maintenant ils ont mis des armes. Ouais, ouais, bah là il m'en reste encore un autre après. Qu'est-ce qui se passe là? Je sais pas ce que j'ai fait. Oh non, mais attendez là, c'est une blague. Mais faut aller où? Mais faut aller où? Mais arrête de dire toujours la même chose. C'était un très fort. Ça. Je comprends pourquoi beaucoup de gens vont à la mer en fait. Hein. Les vacances, tout ce qui se fait trop mal. Bon, j'ai fait un trick, hein, déjà, c'est bien. Allez! Tu peux y arriver, fini! Allez! Tu peux le faire! Ouais, bah non, mais je. Ouais, j'ai réussi! À droite!
Ah, ça va, vous... ça aussi les vacances, il rave. Salut Antonin, comment ça va? Non, mais ce jeu il est fun, franchement, faut pas y jouer pour débloquer des trucs, hein. De toute façon, y a pas grand chose. Mais voilà, ça peut être sympa quand même. Exit. Bah du coup, on va passer sur le dernier jeu, enfin l'avant-dernier jeu, hein, ce sera Formula One, pour après finir sur du FF. FF, ce sera quand même autre chose. Ladies and gentlemen, may I have your attention? Bon, voilà. Alors le problème, c'est que des fois, faut attendre que le CD s'arrête. Hop. Et bah du coup, je vais faire du Formula One 98. On va faire une double de course, puis après, basta quoi. On garde le meilleur pour la fin. La belle histoire d'amour. Que va-t-il se passer entre le gars là, puis ça. Il avait la tchatch, le gars. Ah oui, c'est ça, le gars. Ah oui, je sais pas si tu te rappelles, chaton. Il avait moyen de serrer une nana dans sa chambre là d'hôtel. Et puis il a pas pu parce que. Enfin, parce qu'il était trop coincé, quoi. Il disait qu'il était trop mou à ce moment-là. Tu te rappelles? Le gars, il disait qu'il était trop mou. On va voir là s'il est toujours mou. J'espère que non, parce que là, franchement, il va se faire passer pour un impuissant. Ouais, qu'il avait mal à sa jambe, voilà. Et après, il a dit que c'était trop mou. C'est obsédé un peu comme un Final Fantasy. Hein. Je comprends pourquoi il y a beaucoup de gens qui jouent. C'est énorme. Ah ouais, non mais là, de toute façon on y pense tout de suite. Hein. C'est obligé. Ils ont fait exprès. Hein. Ils savaient très bien qu'on se doutait. Enfin, y a pas français. Hein. Ah, c'est French. Mais ouais. On va voir là, est-ce qu'il va assurer ou pas. Verdict. Alors, un joueur. Ouais, mode arcade. Sur la partie, on va mettre en facile. Bon, bah y'a pas. Hein. Faire un mode arcade. Mode arcade, c'est pas mal. Ses courses. Alors, qu'est-ce qu'on va voir là-dedans? Donc, forcément, on a des pilotes qui ne courent plus. Ils sont tous à la retraite hein, maintenant. J'ai pas choisi mon père, j'ai pas choisi mon pilote là. Pourquoi il charge direct là? Mode arcade, on n'a pas le droit de choisir son monoplace et son pilote. Bah, d'accord. Bah, merci. Hein. Donc il y a plusieurs vues. Ah merde! Bon, fait-on deux aussi celle-là. J'aime bien cette vue-là. Ça dérape bien. Est-ce qu'il va réussir à conclure? Vous saurez ça tout de suite après. Restez avec nous. Tiens, je me suis fait dépasser par la voiture jaune. Tiens, dégage. Ça, un truc, c'est que la manette régie réagit pas bien du tout. Hein. C'est pas la manette officielle.
Mais allez, poussez-vous là, vous voulez pas assez vite. Là, je roule très vite dans la... Sur la boue, je roule très vite. Je peux drifter en même temps. Allez. Il fait moins mal aux yeux celui-là quand même. Vas-y, pousse-toi là, je te dépasse là, l'angle mort, là, tu vois pas ce que c'est. T'as ton permis où là? Bon, une chose est sûre, c'est que ces monoplaces ne roulent pas sur le mur. Putain. Bah ouais, mais non, mais c'est normal, bah tu sais, ça va tellement vite une Formule 1. Tu vois. S'il y en a un qui te fait suer, bah tu le fonces dedans et puis voilà, il se vient, mais c'est bon, tranquille, tu peux le dépasser. Ça peut être une idée aussi. Tu vois, hop. Place, le danger de la route est là. Non mais c'était ça hein, à l'époque. Hein. C'était très réaliste. Hein. Avec une manette de merde. Non, c'est à droite. Non, il est pas mal comme jeu sinon. C'est le dernier tour là. Mais ça vaut pas les jeux de Codemasters. En 100 miles par hour. Punaise, mais non! Allez, marche arrière! Ils ont pas osé me dépasser les autres. Yes, c'est absolument vrai, Schumacher, il a gagné toutes ses courses comme ça. Bah oui, voilà, en shootant les autres. C'est ça. On est d'accord. Mais pour finir, il a eu un accident de ski. Qui fait qu'il a pas pu continuer à taper dans les autres Formule 1. Énorme. Enfin, ça dépend de quel Schumacher tu parles, parce qu'il y avait deux Schumacher quand même. Et je m'en rappelle qu'il y a une fois, le petit avait tapé dans le grand frère, et ils se sont engueulés après, je sais plus c'était quelle saison ça, mais ils étaient tous les deux à l'arrêt parce que le petit avait tapé dans le grand frère, et du coup, bah, les deux voitures étaient claque, enfin ils pouvaient pas continuer quoi. Espagne, Monte Carlo, ça non c'est même pas la peine. Montréal, Manicourt, on l'a fait plein de fois, Silverstone, c'est comme ça. Autriche. Ouais, voilà, il a fait, ouais, version Cool Borders, exactement. C'est pas moi qui l'ai conduit, hein. Suzuka, Japon, ouais. Ok.
Alors, Nürburgring, Luxembourg. Le Nürburgring, c'est sur au Luxembourg, je crois que c'est en Allemagne, moi. Monza, bah, c'est super connu. Oh, c'est pas vrai. Hongrie, Hockenheim. Ah, j'ai ici celui-là. Ah, mais par contre, je peux choisir les pilotes. Donc, c'est qui ça? Jean, allez-y. Frenzen. Alors, Tagahashi. Là, c'est à Salo, mais j'ai plus rien. Ça fait comme ça. Verstappen. Fisichella. Irvine. Damon Hill. Vous voyez Damon Hill quand même. Tuero. Coulthard. C'est tout? Ah, il y a pas Schumacher. Ah, si, d'accord, ok. En fait, ouais, Schumacher est là. Olivier Panis. Ah ouais, Jean Alési était sur... Ah bah c'est pour ça que j'avais Jean Alési, c'est pas lui, il allait à fond à chaque fois. Ah ouais, je vais prendre Schumacher. On est fou. Bon. Option course. Des dégâts. Ah, vaut mieux. Niveau. Ouais, j'étais en niveau moyen quand même. 3. Ok. Je mets en facile. Mais j'étais quand même 6ème en moyen tout à l'heure. Sur 22, c'était pas mal. Hein. Bon, bah après, il y en a plein qui sont. Qu'on finit dans le tas de sable, mais bon. Vous avez qu'à faire attention aussi. Hein. Allez! Bon, déjà, ils me font passer. Ils mettent limite en deuxième position. Bah, c'est... Ils ont compris la douleur. Allez Choubi. C'est pas grave, je roule aussi vite comme ça. Pousse-toi. Je passe plus de temps, j'ai l'impression, dans l'herbe et dans le sable que sur la piste. Ouais, il fait du tout-terrain, F1 tout-terrain. Schumacher, F1 tout-terrain, ouais. Ouais, il fait que ça, en fait. Ouais, il passe plus de temps... Enfin. En fait, c'est Schumacher qui s'appelle. Parce qu'il avait, il a bu un coup de trop. Bonjour, je m'appelle Michael Schumacher. Virage à la con. Je sais pas moi. La distance de freinage là-dedans c'est tellement c'est tellement propre comme jeu quoi. C'est le jardinier qui va être content, il va devoir refaire sa pelouse. Oh, Satan, les pilotes de F1, ils sont à chaque fois en train de saccager ma pelouse. Allez, tu peux le faire. Ah oui, j'ai oublié que c'est un gros virage là. Allez, tu peux le faire.
Oh, magnifique! Mais là, je devrais avoir des figures, des points pour le style. Parce que je suis quand même, je fais de la conduite assez sportive, quoi. Je fais des dérapages, je fais des vols planés. Non, ils donnent pas des points pour ça. Ils vont me récompenser quand même. Je donne du spectacle aux gens. Bon, bah, j'ai pas perdu de place, mais j'en ai pas gagné. Yes! Non, pas nouvelle course. Hey, ils montent plus. Ah, les camions. C'est vrai. Oh, ce jeu était une folie. Ah, ouais. Ah, ouais, non, c'était une folie. Hein. Donc là, ce qu'on va faire, je vais arrêter et je vais faire du FF8 pendant une demi-heure, trois quarts d'heure. Je vais éviter de me coucher à minuit hein, parce que faut que je me lève demain. Ça va être vraiment très court ce soir. Ça fait combien de temps? Ça fait une heure. Putain, j'ai envoyé les jeux. J'ai envoyé les jeux en gros, en une heure, j'ai fait les quatre jeux. J'ai fait un quart d'heure par jeu. Bah punaise. L'autre fois, j'avais fait presque 3 heures. La semaine dernière. J'ai dû faire presque 3 heures. Et là, je vais faire quoi? 2 heures. Mais bon, j'ai perdu une heure aussi. J'étais au téléphone. Voilà. Je pouvais pas être au téléphone et faire un live en même temps. Ça va vous fermer, ça? Alors, FF. FF. Du coup, je vais modifier les infos du stream. Je vais mettre FF8. Tac. Attention, frisson. Dernier frisson de la soirée, et ouais, ça fait 5 frissons quand même. Est-ce que je peux passer ça? Continuer. Ouais. Alors, est-ce qu'il va conclure, le gars? Est-ce qu'il va serrer ce soir ou pas? Donc ouais, voilà. On arrive à destination. Ce train marche parfaitement normal, c'est moi qui m'occupe. Ok. Donc ensuite. Thank you.
Ok. Bon, là pour l'instant ça va, c'est pas sorcier. Hein. Tout a commencé lorsqu'on a trouvé un document top secret. Ok. Ouais, c'est. Ça aide beaucoup de texte, j'ai l'impression. VIP. On va le trouver des VIP et Badia. Ok. Notre plan est de. Quel est le plan? Le train avec un missile qui est pas tout à fait. Alors c'est quoi, inutile de nous faire l'emmener. On commence, vas-y, commence. Commençons par la maquette. Le wagon jaune en haut à droite est notre base. Ok, nous sommes dedans en ce moment. Le faux wagon est juste à côté, c'est la réplique de celui du président. Leur train a trois wagons. La loco est suivie du premier wagon escorte. Ok, premier wagon escorte, ok. Le wagon rouge, c'est le wagon du président. Des lignes devraient être à l'intérieur. Nous allons commencer par le second wagon escorte, coup de train. Notre objectif est de capturer le président. Pour cela, nous allons intervertir le faux wagon avec celui de Delhi. Nous utiliserons les deux embranchements menant à Timber. Je vais maintenant vous exposer les 7 étapes de l'opération. Ouf. 1. Atteindre le second wagon escorte et monter dessus. Pour atteindre le second wagon escorte, il faudra sauter de notre faux wagon. Okay. Avancer avec précaution sur le toit du second wagon escorte. Le second wagon escorte est le seul wagon équipé de capteurs. Okay. Il y a deux sortes de capteurs. À bord, j'en parlerai après. Ok, 3. Avancer sur le toit du wagon du président. On peut se déplacer sur le toit du wagon du président sans danger. Des lignes ne supportent pas la présence des gardes et des détecteurs. Il n'y en a pas dans son wagon. Décrocher le premier wagon escorte. Il faut décrocher le wagon avant le premier embranchement, sinon... Boum, c'est fini, pas vrai? Ah oui, un peu, exactement. Faut donc faire vite. J'en dirai plus tout à l'heure. Insérer le faux wagon et la base dès la fin du décrochage. Après le décrochage, nous raccrocherons le faux wagon et la base à la place. Notre train et le leur ne feront alors plus qu'un. Oh la vache, c'est astucieux. Il y a trop d'étapes. Ouais, je crois que je vais me yander. Décrocher le second wagon escorte. 2. Ouais, c'est le dernier décrochage, même technique que pour le premier. Accrocher le wagon du président à notre base et s'enfuir. Si tout se passe bien, on s'enfuit avec le wagon du président. Ensuite, on revient à notre base pour préparer notre entrevue avec Delhi. 1. Sauter sur le deuxième wagon escorte. 2. Éviter les gardes du second wagon. 3. Accéder au wagon du président. 4. Décrocher le premier wagon escorte. 5. Décrocher le faux wagon et la base. 6. Décrocher le deuxième wagon escorte. 7. S'enfuir avec le wagon du président. Nous avons 5 minutes pour accomplir cette opération. Si nous échouons, notre train percutera le leur à l'embranchement et ce sera pire. N'oubliez pas. 5 minutes, tu es sûr que ça suffit? D'après la simulation, 3 minutes devraient suffire. Ce sera un jeu d'enfant. Bien sûr, trop facile. Les yeux fermés. Bon, voyons comment on se déjouait les détecteurs de la deuxième escorte. Vas-y, Watt. Il existe deux types de capteurs, l'un sonore, l'autre thermique. Le moindre son active le détecteur sonore, alors faites attention. En plus de ça, il y a des détecteurs.
Les gardes en bleu sont équipés. Les capteurs thermiques s'activent si vous restez longtemps immobile. Les gardes en rouge en sont équipés. Les gardes activent les capteurs en ouvrant les stores du train. Ces détecteurs ont une portée égale à la longueur d'une fenêtre. C'est bien beau tout ça, mais comment on les évitera? On les évite. Stoppez si vous voyez un garde bleu, filez si vous voyez un garde rouge. En bougeant ou en s'arrêtant en fonction du garde à la fenêtre. C'est tout pour les détecteurs. Voyons ensuite comment décrocher les wagons d'escorte. Comment enlever les wagons d'un train en marche? Eh bien, on ne peut pas le faire directement. En fait, il faut bloquer le système de contrôle des fixations. Si on parvient à désactiver ces circuits, les wagons se décrochent. Il faut entrer plusieurs codes pour neutraliser le système. Et nous avons les codes, Gabi les connaît. Ma tâche consiste à te donner les codes, Squall. Tu devras descendre le long du train pour taper ces codes. Maintenant, j'ai besoin de toute ton attention. Les codes sont composés de 4 chiffres entre 1 et 4. Exemple 2341. Donc c'est. Ouais, c'est croix, carré, triangle. Mais le clavier n'est pas chiffré. Il se compose de 4 boutons. Si je te dis 3124, ouais, c'est carré, rond, croix et triangle. Ok. Tu dois être rapide et exact, tu n'as que 5 secondes par code. Sinon le code est automatiquement modifié, il faut recommencer. Nous devons entrer tous les codes pour désactiver les fixations. Après avoir décroché les wagons, nous attendrons que les autres activent l'embranchement. Attention, l'opération ne doit pas dépasser 5 minutes, alors soyez prêt à courir. Entraîne-toi à taper le code. Entre 3 codes et ce sera bon. Touche L1 pour quitter. C'est quoi ? 1... 2, 3, 1. Erreur de code. Trop d'infos. Ouais, déjà. Ouais, bah moi c'est pareil. Entre le code. Ça. 1, 1, 4, 2. 1, 1, 4, 2. Bah je l'ai fait, mais ouais, mais la manette elle réagit pas. Si. Entre le code, c'était quoi? 1, 1. Bah non. 3, 3, 4, 4. Bah, c'est facile. C'est bon? Tu as compris? Attends, recommence, hein, parce que t'es tellement nul que tu vas y arriver. Tout se jouera à quelques secondes près. Oui, bah justement. Bon, voilà. Cette maquette est jolie, mais le wagon de prison est plutôt moche. Pourquoi? C'est Gabi qui l'a fait. Le reste, on l'a acheté au puce. Oh, mon chien fait mieux les yeux fermés. Bah, en fait, moi, ce que je... Moi, je dois juste m'occuper des codes d'accrochage-décrochage. C'est tout. Hein? Le reste, on s'en bat le steak. Il y a des gardes rouges et bleus et verts et jaunes et à petits pois. On s'en fout. Faut courir, faut s'arrêter, faut se coucher, faut... Voilà. Bon, ça va. Vous comprenez pas, je l'ai fait exprès. Ok, ce wagon représente ma haine pour Daily. Il est horrible comme son âme. C'est vrai que ça fait peur. C'est la chose la plus horrible que j'ai jamais vue. Je dois vraiment le haïr, ce pauvre Daily. Je suis pétrifié. Bon, c'est fini, oui. Vous êtes pire que des gamins, on passe à autre chose, hein. Ouais, y'a quoi autre chose? Je le sens pas, je le sens pas. Je sais pas pourquoi, vous avez compris? Ah ouais, parfaitement. Autant de ça, c'est juste pour retaper le blabla. Si ça passe, ça passe, ça casse, mais on recommencera, hein, qu'est-ce que vous voulez? Je m'occupe des renseignements. Oui, mon mal de ventre commence. Oh là là, faut arrêter de manger des flageolets.
C'est pose caca. Ça ne va pas tarder, je vais aller voir. Allez voir Watt quand vous serez prêt. Le téléport. Bon bah lui on va le laisser parce qu'il pue la merde. C'est toi Watt? Ah salut. Nous on cherche Water pour notre ami là qui a un problème gastrique. Vous avez vu la doublure de président? Si c'est pas le cas, allez-y, ça vaut le coup d'œil. Bonne chance pour le kidnapping, ça va être facile. Vous êtes prêts? Ouais, c'est bon, on est prêt. On est fou. Allez, go. L'agence touriste. Squall, par ici. Nous allons accéder au deuxième wagon escorte. Tiens-toi prêt. On peut gagner du temps en coordonnant nos mouvements. Nous avons maintenant 5 minutes pour accomplir cette mission. Ne perdons pas une seconde. Ouais. Alors là, j'ai fait déjà la première étape. Il y a un truc qui cloche. C'est en panne. Ah ok, d'accord. Donc comme c'est en panne, moi j'en profite pour me faire la malle. Voilà. Et franchement, graphiquement là, le wagon de président, une fois de l'autre côté, on devra le détacher. Vite, vite, le temps il passe, ça tourne. Ça va, le chrono pour l'instant il passe pas. C'est bien. Tout est en ordre, monsieur. Absolument rien à signaler. Non, il y a juste des pigeons qui sont venus se poser sur le coin du train, c'est pas grave. Encore vous, c'est la 25e fois que vous me dérangez pour rien. Cela vous amuse de me faire perdre mon temps avec tous vos rapports inutiles. Je suis désolé, monsieur, mais c'est notre devoir. Votre devoir est de laisser les gens importants travailler, sinon je vais m'énerver, filer. Oui, à vos ordres, monsieur. Ce malade va me sucrer mon salaire. Et s'il ne voudra jamais m'épouser si je suis fauché. Mais non, l'amour ça n'a pas de prix. Même si t'es fauché, c'est pas grave. Voici le premier wagon escorte, nous allons le détacher. Comme Watt nous l'a dit, il y aura deux gardes à bord. Zell et Selfie, vous devrez surveiller ses sentiments. Prévenez-nous dès qu'il se déplace, ok. Pas de problème, je me charge du soldat bleu. Et moi du rouge. Les gardes rouges se rapprochent de nous. Squall, tu devras surveiller aussi. Appuie sur L1 pour regarder à gauche. Lâche le bouton après. Pas à taper les codes. Tu as tout compris. Oui, pas de problème. Je vais entrer 3 codes pour désactiver le système de sécurité. Ça te décape. Je peux pas le manquer, appuie sur la touche de ce là pour descendre. Pour monter, utiliser la touche pro, attention, je ne peux pas monter dans ce contact. On y va. Trois, deux, un, trois. Quatre, un, quatre, deux. Ah bon? Bah j'ai fait 4, 1, 4, 2. Descendre avec la corde dès qu'ils ont fini. Tape un ou deux codes en entier, puis remonte. C'est lent, mais au moins risqué. Je vous en prie, parfaitement.
Bon, en fait, fallait que je remonte. Fasse gaffe au code. Trois, un, deux, trois. Alors, 2, 4, 2, 3. 2, 4, 2, 3. Un, trois, quatre, trois. Ça va là-bas, là. Bon, bah, j'ai réussi. Goodbye. Au revoir. Merci, trop facile. Hein. Pouf. Hop. Quoi, moi, il va m'arracher la tête, mais c'est mon boulot. Ben non, vas-y, c'est son boulot. Ça n'a rien à signaler, tout est en ordre, monsieur. Bizarre, il ne pique pas sa crise. Peut-être que c'est son journal qui a la calmé, ou il l'a eu d'ailleurs. Lieutenant Galbadien, il y a un problème. Je suis de mauvaise humeur, alors laissez-moi en paix, je ne veux pas être dérangé. Oula. Oui, à vos ordres, monsieur. Vous bougez-vous un peu, allez à votre poste, vite. Ah, à vos ordres. Mon Dieu, encore un mois de salaire qui va disparaître. Pas de bague, même pas de fleurs, je n'ai aucune... Ouais, c'est pas grave. Lieutenant Galbadien, qu'est-ce que... C'est bien le même train. L'intérieur a l'air plus miteux, je dois me tromper. Et si je ne peux pas appâter Céline avec un peu d'argent qui voudra de moi? Oh la vache! Voici le deuxième wagon escorte, notre dernière étape. Je crois qu'il y a aussi deux gardes dans ce wagon. Zell et Sophie sont devant, ils s'occupent de nous détacher. Ah bah lui, il a plus de salaire donc. Il la fabriquera tout seul la baguette. Cette fois, tu es tout seul. Regarde bien à droite, on appuie sur R1. Nous finissons là. C'est un code. Un, trois, deux. Merde! Ah, je sais pas moi! Bah oui! D'accord, donc je suis n'importe quel code, ok. Ça va, il reste 6 minutes. 1, 3, 2, 2.
Alors, 3, 2, 1, 3. Quatre, un, un, un. Ça y est, j'ai fait là. Bah, il a, j'ai fait les trois codes là. Qu'est-ce qui se passe là? Fait 3 codes là. 4, 3, 2, 4. Deux, un, deux, deux. Allez, foot, foot, foot. Yes. Bon, ça va, c'est pas si compliqué que ça. Hein. C'est quand même bien suivi. Bonsoir, Belgique. Bonsoir, la Belgique. Comment il va? Salut, Mathéo. Re, salut. Ouch. Enfin, ça fait si longtemps qu'on veut rencontrer Windsor. Bravo, excellent. Très bien, recommençons. Quoi? C'est quoi ce jeu? C'est Final Fantasy VIII. Tu connais pas? Eh bien, oh, tu vas pas aimer, hein. Je suis sûr que tu vas pas aimer. Laissez-moi m'occuper de la logistique. Oh, que j'ai mal. Il a encore mal? Oh putain, arrête de manger des flageolets, lui. Va voir Water. Il est à trop droite. Alors, va aller chier dans le wagon du président. Vous trois, dites-moi quand vous êtes prêts. À ce moment-là, j'entamerai les négociations avec le président. Mieux vaut vérifier mes associations. Oh. Tu ne ferais pas retour vers le rétro? Bah, c'est pas encore du rétro gaming, hein, la PS3. C'est encore un peu tôt. Bah non, pas encore. Non, non. Non, puisque je fais déjà de la PS3, Mathéo, j'en fais déjà de la PS3 en semaine. Hier, j'ai fait de la PS3, donc... je peux pas dire que c'est du rétro gaming. C'est encore trop tôt. Alors moi, c'est pas ça que je voulais faire. C'est pas cette situation. Non, c'est pas ça. C'est GeForce... compatibilité, donc là par exemple Golgotha, c'est Quisty, mais Quisty elle est pas dans mon équipe. Moi c'est Zell, Squall et Selfie. Donc Golgotha il va à Squall, je crois que je l'ai déjà. Ouais, déjà Golgotha. Donc là, c'est Shiva et Ifrit qu'il faut changer. Alors, Shiva. Donc, c'est Squall, Zell. Bah, c'est clairement Squall. Et Ifrit, c'est Zell. Voilà, c'est ça. Alors, associé Zell. Associé GeForce, on a dit
Ifrit. Ça donne envie de manger des frites. Attaque. Associé. Squall. Associé. GeForce. Shiva. Salut Shiva. Non, il est pas là. Pas de nouvelles de Shiva, ça fait un petit moment. J'espère qu'il va bien. Quelqu'un a des nouvelles de Shiva dernièrement? Bon, on va laisser comme ça. Après, faut aller où? Je vais peut-être sauvegarder, là. Ouais, on va sauvegarder. Alors, c'est bon, c'est vrai, c'est pas très bon. Sauver. Ouais, j'écrase les données existantes. Données sauvegardées. Ok. Bon, alors, il faut que j'aille dans le wagon du président et là où c'est là où ça a peut-être pété un peu dur. Je sais pas si c'est là ou pas. On va voir. Là, ça a l'air d'être un cul-de-sac. Bah, c'est où? Il est où le wagon du président là? Ils disent d'aller dans le wagon du président, je crois. Peut-être par là. Peut-être. Oh, tiens, toujours la chiasse. Anarchiste Magazine, ok. D'accord, ça compte bien. Dossier secret de Windsor Belling, sanguinaire dictateur de Galbadia. C'est tout? Bon, où est-ce que je dois aller? Ça va me compter sur moi pour surveiller les dangers. Bah, je veux bien, mais c'est où qu'on doit aller? J'ai jeté un coup d'œil aux articles de la salle. Oui, il paraît que le journaliste qui a écrit ça a été envoyé dans le nouveau pénitencier du désert. C'est dégueulasse. Au bout de la forêt, on... Écoutez, les pères de Watt et de Zone ont fondé ce mouvement de résistants. C'est tout. Et tu sais comment Gabi a connu ce primeur de Seifer? Personne ne veut me le dire. Une fille aussi jolie avec un abruti pareil, ça me fend le cœur. Ok. Bon, c'est par où que je dois aller? Bizarre, c'est qu'il y a un clébard là. L'ami des bêtes 2. Okay. Bah, c'est par où que je dois aller là? C'est pas là. Je pige pas là. Le train il a été débloqué. Ok, très bien. Peut-être que je lui parle à la nana. Prêt? Ah bah oui, il fallait que je lui parle. Punaise. Tu fais le tour du train et en fait c'est pour. Faut juste parler à la nana qui est juste à côté quoi. Vas-y dans des lignes. Si vous ne résistez pas, nous ne vous ferons aucun mal. Et si je résiste, que ferez-vous, ma petite? Ça ne veut pas dire ça. Comment? Ce n'est pas normal. Vraiment, quelle tristesse. Je ne suis pas Deling, je suis que sa doublure. Faut préciser. Alors, Deling n'a pris aucun risque. Vous vous êtes fait manipuler. Soit tous les résistants sont stupides, soit j'ai affaire au plus minable d'entre eux.
Minable. Faut... Ah non, ça, il faut pas... Ah, j'ai mal partout à force de rester assis et j'ai besoin d'exercice, ma jolie. Voyons ce que vous aurez fait si j'avais résisté un petit. Tu voulais me donner une fessée. Oh là. C'est quand même haute. Hein. Des minables, c'est tout ce qu'on me donne à combattre. C'est vraiment insultant. Bon, on va essayer de te président. Ça, je peux pas voler avec les autres trucs. Allez, j'adore les animations des GeForce.
J'ai pas vu que fallait. Je comprends pas pourquoi à chaque fois faut recommencer à remettre encore les options là, GeForce et compagnie. Mais il peut pas. Il sert à rien. Alors l'autre est. C'est un semi-zombie. Ouais, mais là je peux pas utiliser d'objet. Mais normalement je devrais pouvoir l'exploser, mais là le problème c'est que j'ai pas paramétré pour avoir les GeForce en fait. Les GeForce et puis voler les magies. Donc c'est ça qui a fait le défaut. J'aurais dû bien regarder. C'est pas grave, j'ai bien fait de sauvegarder avant quand même. J'ai pas perdu, juste perdu le combat quoi. Et sinon j'essaierai, mais je crois que j'ai du soin. Non, attendez. Forcément ça revient au menu principal. Bon, alors, c'est là où il faut que je regarde associer les associations. Par exemple, lui, c'est pas ça, capacité. Tu vois, il y a magie, j'ai force volée. Lui il a les capacités magie, j'ai force volée. Par contre là j'ai pas la capacité. Pourquoi j'ai pas de capacité à elle? Alors c'est quoi? C'est selfie qui est avec moi? Ouais selfie, alors selfie, qu'est-ce qu'elle a? 574 Shiva. Bah ce serait Shiva qu'il faudrait qu'elle ait en fait. Je vais mettre Shiva. Squall. J'ai force voler et à la rigueur je me objet. Je peux peut-être le one shot avec un objet résurrection. Bah j'ai pas ça moi en fait. C'est ça le problème. Mais ce que je vais faire, je vais là déjà je vais mettre comme ça déjà. C'est pas mal. Je vais re-sauvegarder au cas où je perds une nouvelle fois. Allez, quitte. Donc là c'est bon.
Là, le fait que j'ai déjà chacun, ils ont. Parce que les autres faisaient que des attaques, donc ils étaient. Ils attaquaient que dalle. Donc là, ça devrait être bon. Normalement, ils auront tous les deux une G-Force, chacun au moins. La possibilité de voler et certains de mettre des. Bon, ça, je vais. Allez. Bon, bah là c'est pareil, on l'a déjà vu. Hein. Allez là! Parce qu'en fait, lui, il a que des soins. Bon, j'en ai des soins, donc ça sert à rien de voler les choses comme ça. Ah, Igor, Selfie pourra voler, et puis les autres, ils vont balancer. Alors, elle vole. Attaquer avant. Voilà. Voilà. Déjà là, il va souffrir en deux coups de G-Force. Après, c'est à moi de m'assurer que je balance assez de soins pour mes coéquipiers, quoi. Mais comme il doit en rester, c'est vrai. C'est vrai que c'est la gestion de l'inventaire qui est vraiment difficile. Voilà, je pense que là il est pas content. Voilà. Déjà là, il m'a moins bouffé là. Bah ouais, ouais, tu vois, pour ça. Mais c'est parce que j'avais pas paramétré les G-Force et tout ça. Que là, déjà, il va s'en prendre plein la tronche. Tu vois, 728 là. Il aime pas ça. Hein. Il a bien morflé là. Ouais, très très gros dégâts, ouais. Donc là c'est pour ça le Ifrit il va s'en prendre un. Il doit pas aimer le feu. Les dégâts de feu il doit pas aimer. Donc au pire je peux même faire de la magie de feu si jamais j'ai des G-Force qui sont capoutes, j'aurai toujours la magie de feu.
315, ouais, c'est pas assez fort. Ouais, Ifrit, par contre, il fait mal. J'ai intérêt à la soigner. Oh non. Merde, j'aurais dû mettre Ondine. Oh la vache. Merde, j'aurais dû mettre du soin. Voilà, déjà lui il va encore l'esquinter. Allez, vas-y, Ifrit. Ah, il aime pas le feu, hein. C'est grave. Faut que je balance l'autre là, Ondine. Parce que là, l'électricité apparemment ça lui fait rien. Enfin, il fait deux fois moins de dégâts avec l'électricité qu'avec le feu. Peut-être que le dégât eau est plus fort. Je sais pas. Ouais, c'est pas assez. Pourquoi c'est toujours elle qui mange? Voilà, déjà boum. Les points faibles des émissions mille de tête au feu et les soins. Les soins. Bah, le problème c'est que je peux pas mettre un objet de soin sur lui. Par contre je peux peut-être utiliser la magie et faire du soin. Je vais regarder justement un 6 squall avec Ondine. Non, il n'y a pas besoin. Par contre merde, j'ai pas volé la G-Force. Je sais pas s'il avait une G-Force. Je crois que j'ai pas pris la G-Force. Quel con. Quel con. Après je vais arrêter hein, parce qu'il est minuit là. Je prochain point de sauvegarde je vais arrêter par contre. Parce que je me lève demain. C'est quoi ça? Adolette, il y a un vieux centre émetteur qui transmet les ondes hertziennes. Cette station a été désaffectée, mais l'armée galbadienne l'a remise en marche. Je crois que j'ai compris. Seule station de satellite transcontinentale est Attila. Les autres émetteurs n'utilisent pas les ondes hertziennes. Je ne comprends pas. Ils souhaitent diffuser leur programme sur l'ensemble du territoire. Et le seul moyen, c'est par voie hertzienne. Mais j'ai compris, je me demande juste ce que le président va dire. Ils veulent donc diffuser leur émission sur l'ensemble du continent. Je me demande ce qu'ils ont à dire, c'est si important. Je vous présente la nouvelle star mondiale, Sefi Tilmit. Ok. Ça fait au moins 17 ans que les ondes hertziennes sont interdites. Pas d'émission depuis 17 ans. Ce serait génial si la première diffusion était la déclaration d'indépendance de Timber. Et c'est une idée, ça. Une excellente idée, même.
C'est envisageable. Allez! Réfléchissons une minute. Bon, je vais sauvegarder. Il veut pas? J'ai pas le choix. Quel hasard, il se trouve que l'on a une mission à réaliser. Ouais, bah d'abord, je vais en prendre sauvegarde. Avant, ce qu'on pourrait voir, c'est le contrat que vous avez avec le BGU. Mais bien sûr. Ça dit quoi? La BGU, le prestataire, s'engage intrinsèquement à ce que le HDLF, le client, puisse nonobstant la, selon la clause B214 et conformément aux dispositions 12 et 766 exécutant du... En français, ça veut dire quoi? Plutôt pompeux comme style. C'est pas simple à comprendre, hein. Quand j'ai dit que je ne comprenais rien, on m'a donné ce formulaire-là. Sid Kramer est si gentil. Il dit quoi, ce nouveau contrat? Eh bien... Message pour les hiboux de la forêt, l'aide des membres du site vous est garantie jusqu'à la libération totale de Timber. Votre liberté est notre priorité, bonne chance à tous. Je vous rappelle que cet accord se limite à un nombre restreint d'agents qui ne pourront être remplacés, Sid Kramer, proviseur de la BGU. Ah, sympa. Merci beaucoup. Ils sont tous accroupis, jusqu'à l'indépendance de Timber. Mais c'est bien trop vague. Oh, vous toucherez votre salaire jusqu'à la fin, pas d'inquiétude. Formons les équipes. Non, moi je sauvegarde, s'il vous plaît. Ouais, je m'occupe des renseignements. Ouh, ils m'ont mal de ventre. Ouais, bah lui il va aller au chiottes. Ok, à chaque fois c'est son problème à lui. Bon, les membres chargés de la chaîne télé sont. Ah, moi j'ai dedans. Ça. Voilà, je vais pouvoir sauvegarder. C'est cool. Hein. Logiquement. Enfin, je sais pas. Tant que j'ai pas le point de sauvegarde. Bon, j'ai pas écrasé la sauvegarde que j'ai fait avant. Parce que. Je sais pas s'il y a une GeForce quand même. On entend le. Alors. Sauver. Fente 1. Et je vais reprendre celle-là. Bon, bah ça va être la fin. Ça va être la fin, je vais m'arrêter là pour ce soir. C'est pas mal hein, quand même. Ouais, est-ce qu'il est minuit passé quand même? C'est pas... je vais me remettre comme ça. Tac. Normalement ça va être bon. Ouais, c'est bon. Voilà. Bon. Bah, c'était cool. C'était un peu court hein, ce soir. Un tout petit peu plus de 2 heures. C'est peut-être le. C'est peut-être le... l'épisode le plus. La partie. Le retour le rétro... vers le rétro le plus court. De l'histoire hein, pour l'instant. Moins de 2 heures. Enfin, un peu plus de 2 heures, pardon. Ah, mais bon, j'aurais commencé à 21h, mais bon, ouais, j'ai eu un peu de temps. Bah voilà. Bah, en tout cas, merci beaucoup à vous tous. Merci à celles et ceux qui m'ont suivi pendant ces 2 heures-là. J'espère que le live vous aura plu.
Donc voilà, on a eu quand même du Wrecking Crew. Je suis désolé hein, pour vos yeux si vous avez eu mal aux yeux. Franchement, ça, c'était un peu pas terrible. Delta Force Urban Warfare, bah pas mal, mais bon, un peu hard quand même. Cool Border 2, bah pas mal aussi. Et puis bah Formula 1 98, c'était sympa. Puis bah à la fin, forcément, Final Fantasy 8, la bonne touche finale quoi. Bon, j'ai fait quoi, une heure de, je crois que j'ai fait une heure de Final Fantasy à peu près. Hein. C'était pas mal. Plus une heure de test de jeu, ça fait 2 heures. Voilà. Pour ce qui est du programme, donc demain soir il n'y aura pas de live. Pas de live demain soir. Enfin dans la journée il n'y aura pas de live du tout. Il y en aura un. Vous me retrouverez par contre jeudi soir sur Borderlands 3 sur PS4. Ça, c'est noté, hein, de toute façon, vous avez le programme, vous avez ce programme. En tapant la commande exclamation programme, vous aurez le programme de la semaine. Il ne va pas changer. Hein. Donc il n'y a pas de live demain. Il y aura Battlefield 3 jeudi et Super Mario Maker 2 vendredi. Voilà. Voilà, bon bah c'est tout. Avant de vous quitter, je vais lancer une petite page de publicité. N'hésitez pas, c'est une minute, n'hésitez pas à rester une minute pour me soutenir. Hein, c'est gratuit, c'est que dalle. Vous avez juste à laisser là une minute. Et puis bon bah moi, si vous avez la pub, vous aurez. Bonne nuit à toi aussi, chaton. Merci pour ton passage. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin. Merci beaucoup à vous tous en tout cas. Je vous souhaite à tous une bonne fin de soirée, une bonne nuit. Et du coup, je vous donne rendez-vous jeudi. Voilà, allez, à jeudi.